Bonjour tout le monde. Il est beau hein, ce déambulateur. Nom qui est apparu dans les commentaires, dans un commentaire de la vidéo de première mise en route de cette micro-pelle. C'est vrai que ça fait un beau déambulateur. Ça va pas vite, mais s'il y a des obstacles dans le chemin, on peut les dégager. Déjà, je vais revenir rapidement sur la vidéo justement de mise en route. Et je vous mets ici à quel moment de la vidéo vous pouvez avancer pour voir directement le changement du flexible. Alors c'est, je crois, la première fois que j'ai autant de commentaires en si peu de temps sur une vidéo. La plupart d'entre vous, ça vous a bien fait marrer mes galères, et tant mieux. C'est pas pour rien que je les ai montrés. Je rappelle que c'est bien moi qui ai décidé de le montrer. Si je décide de montrer mes galères, c'est pas pour rien. Sinon, je peux tout couper, je monte la machine, je la monte bien rangée, impeccable. Le mec, il a tout fait nickel. Non, c'est pas le but. Je pense que si mes erreurs, donc de débutant, de novice, peuvent aider ne serait-ce qu'une seule personne, ben au moins ça aura servi à ça. Donc, beaucoup de commentaires sur « mais il faut lire la notice c'est pas pour les chiens ». Ben figurez-vous que j'ai déballé la machine, j'ai sorti la notice que je vous ai montrée, et après j'ai coupé la vidéo, et j'ai lu la notice, bien entendu. J'ai regardé, je l'ai lu quoi. Mais il n'y avait pas de mention concernant le déballage du bras en fait. Au téléphone, le patron de Proto Micro TP m'a pourtant bien dit il faut maintenir le tout avec une sangle. Donc il y avait déjà une sangle en place et moi je me disais d'accord, je vais enlever cette sangle, je vais la réutiliser ensuite pour mettre les choses en place. Je savais pas, c'est la première fois que je fais ça, je savais pas comment ça se passait. Et dans ma tête, ce vérin était en place. Pour moi, le bras il était redressé, ce vérin était en place. Donc j'ai enlevé la sangle, confiant. Et je pensais qu'il y avait juste le balancier qui allait faire comme ça, devant. Et voilà, bah vous avez bien vu la surprise, tout est tombé d'un coup. Donc, je savais pas. D'un côté, on a un professionnel qui a totalement l'habitude, qui vous dit, faut attention, faut maintenir ça avec une sangle. Et puis après, il y a le particulier débutant qui ne connaît pas et qui interprète les choses comme il peut. Bon, voilà, donc pour moi, celui-ci reste en place et il y a encore deux autres vérins. Je pensais que c'était ceux-là qui n'étaient plus en place. Donc, c'est tombé directement sur le raccord. Ceux qui ont dit aussi, ouais, c'est pas de la qualité, ça casse direct. Bon, je ne sais pas combien le tout pèse, mais ça a un certain poids. Que ça tombe de tout son poids sur un seul meuble. Donc, le bras, il s'enfonce et le raccord banjo, ben, il a cassé net à ce niveau. On va le voir puisque je vais le démonter, donc c'est pas fait pour encaisser un choc pareil, tout simplement. L'histoire de la bougie, il faut savoir que le moteur Briggs & Stratton, il est livré dans un carton, ils l'installent dans la machine et ils font le plein d'huile, ils mettent un petit peu de carburant, mais c'est tout. C'est pas eux qui s'occupent de la bougie, donc la bougie elle a été montée en usine, je sais pas où ils sont fabriqués exactement, les moteurs Briggs & Stratton, mais la bougie devait avoir un défaut parce que au premier démontage, quand j'ai noyé le moteur parce que j'ai essayé de tourner le starter trop longtemps au premier démontage, j'ai vu tout de suite que la céramique était fissurée. Et la tête, bah attendez, elle est où la bougie? La bougie, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, elle est tordue un peu dans ce sens-là. C'est pour ça qu'ici, on a un tout petit peu de jeu. Bon, j'ai jamais vu ça et je crois que c'est pas une bougie de grande qualité, c'est des trucs assemblés très vite. Au début, je pensais que c'était ça. Qui parfois sur certaines bougies est vissé. Dans ma tête, cette embouille elle avait été mise en place, peut-être serré à la pince et ça avait fendu la céramique. Mais c'est pas ça, c'est vraiment tordu. Et pourtant, moi quand je l'ai démonté, j'ai fait super gaffe, j'avais déjà fait la connerie du bras, je voulais pas faire d'autres bêtises. Donc voilà. Deux petites galères qui m'ont compliqué la mise en route. Et après, il fallait jouer sur la position de l'antiparasite pour que le jus passe et que le moteur tourne. Donc j'ai mis beaucoup de temps à réussir à la faire tourner suffisamment sans qu'elle cale pour la descente de la palette. Donc là, tout ce créneau, il a fonctionné. Pourtant, avant de me l'expédier, elle a tourné 40 minutes, je crois, ou 45 minutes. Donc elle fonctionnait. Et puis, le défaut, l'antiparasite qui a bougé un peu, ça a dû faire que ça ne tournait plus. Voilà. Donc j'ai appelé Proto Micro TP. Je leur ai expliqué mes aventures. Tout de suite, il m'a dit pour la bougie, il m'a dit qu'il allait m'en envoyer une autre direct. Et pour le flexible, je lui ai parlé aussi, je lui ai dit, écoutez, je vais tout de suite vous recommander une pièce parce que j'ai déjà cassé quelque chose. Et il me l'a envoyé direct, gratuitement. Voilà, donc ça c'était
très très sympa, je ne m'attendais pas à ça et j'avoue que bah, ça fait plaisir parce que ça me fait une économie malgré que ce soit entièrement de ma faute. Et bon voilà, c'est un geste commercial très 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 sympa qui me rassure encore plus mon choix d'avoir acheté une machine française avec un vrai SAV derrière, parce que j'ai failli acheter une machine en Chine, hein. Ça revenait quelques milliers d'euros moins cher. Et si il nous arrive ce truc avec une machine qui vient de Chine, je crois qu'on peut tirer un trait sur le SAV. Et bien sûr, si on a fait nous-mêmes une connerie, on oublie. Et encore, faut-il parler anglais et tomber sur quelqu'un qui parle suffisamment bien anglais pour expliquer le problème à la fin. Et pareil, quand on est débutant et qu'on veut essayer d'expliquer quel truc a cassé les raccords et tout, on n'a déjà peut-être pas les termes en français, alors en anglais. Compliqué, compliqué. Voilà, tout ça, ça explique mes choix. Et dans le mode d'emploi, c'était très simple à lui expliquer quelle pièce avait cassé. Il y a le schéma avec toutes les pièces numérotées. Donc, j'ai pu simplement regarder tuyau numéro 17 de telle longueur. Et puis, il m'a envoyé ce qu'il fallait. Voilà, parenthèse terminée. On va pouvoir passer à l'action. Donc, déjà deux tutos avant même d'avoir fait quoi que ce soit pour la bougie. Et là aussi, je veux juste rebondir sur un point. Les gens qui disent faire une vidéo pour une bougie, c'est lamentable, pitoyable, qui a besoin de ça? Mais vous êtes vraiment de sales prétentieux. Il y a des gens qui n'ont aucune idée, aucune notion de mécanique et qui pourtant ont un appareil, un groupe électrogène ou n'importe quoi qui aura éventuellement besoin d'avoir une bougie remplacée. Ben, ces gens-là, quand ils ne savent pas comment faire, ils sont très contents de tomber sur une vidéo qui montre exactement comment c'est. Donc vos commentaires merdiques, vous pouvez vous les garder parce que si ça vous paraît simple, pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas le cas. Et il y a certainement des choses qui vous paraissent compliquées et qui sont absolument basiques pour d'autres personnes. J'en reviens pas de la facilité de certaines personnes à critiquer aussi agressivement des choses qui font mal à personne. Et d'ailleurs, je vois même pas pourquoi vous regardez ce genre de vidéos. Si vous êtes calé, pourquoi vous regardez un changement de bougie? Vous avez un pet au casque, quoi. Bon, bref. Alors, avant de changer ou de travailler sur de l'hydraulique, on va tout de suite mettre des lunettes de protection, si possible avec voilà, assez couvrantes. Ça protège tous les côtés de l'œil. Ben d'ailleurs, j'ai commandé celle-ci vite fait l'autre jour avant de faire ça. Celles-ci m'ont l'air plus complètes. Ouais. Même quelle gueule. Voilà, on n'est pas là pour le style. On est là pour être protégé. Donc, protection des yeux et protection des mains. Parce que si on travaille sur de l'hydraulique sous pression, bah, qui est par définition sous pression, sinon il va pas faire grand chose, et qu'il y a une fuite, là c'est assez simple, c'est une casse nette, c'est cassé, donc la pression est sortie, le fluide est sorti, il n'y a plus de pression dans ce conduit, donc je peux le démonter sans précaution particulière. Mais si vous remplacez un flexible qui fuit, il fuit mais il a encore de la pression dedans. Un conseil que m'a donné le mécano du dimanche, et enfin un conseil, je m'en doutais, mais c'est surtout son retour d'expérience qui m'a percuté, c'est qu'il a vu quelqu'un chercher une fuite, il y avait une fuite sur un raccord et il a cherché ça à la main, et quand il a bougé le raccord, lui il est sorti en pression et lui est apparemment rentré dans le bras. Donc voilà, de l'huile hydraulique dans le bras. Un Terminator le mec, je sais pas ce qu'il est devenu, mais voilà, ça fait froid dans le dos et on n'a pas envie de vivre la même chose. Donc si on recherche une fuite, si on voit que ça fuit et qu'on va bouger un raccord, mettre des gants costauds, solides, quoi, pas des petits gants en nitrile. Comme ça, on risque pas de se faire transpercer par de l'huile sous pression. Donc là, on voit bien où le bras, où il est tombé. En fait, cette partie a buté contre le sol. Là, c'est le raccord banjo. Là, on a l'anneau ou la bague de sertissage. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Puis là, on a le raccord. Et donc ça, cette partie rentrée dans le flexible, et c'est le point faible, c'est là où il y a le moins de matière. Et donc en tapant, ça s'est un peu enfoncé dans le sol, et ça a suffi pour faire levier, et casser net. Donc là, ça ne va pas être difficile à dévisser, il faut juste qu'on regarde bien la position des joints, on a un joint en cuivre de chaque côté. Et ensuite, on a cette gaine que je vais retirer, je pense que ça se retire simplement. Voilà, en se déroulant comme ça, hein, à moins que... Non, je vais peut-être la laisser tirer le flexible au travers. Il faudra que j'enlève les fixations des flexibles, que je les défasse. Donc lui vient ici, tac, il passe là, là, il rentre dans ce fourreau. Et là, ça va être un peu plus amusant parce que je vais devoir défaire ces colliers. Ça passe là-dessous. Bon, je vais devoir regarder exactement où ça va. Et ça revient ici au distributeur. Et normalement, c'est celui-ci. Si ça avait été un de derrière, il aurait fallu que je démonte un de devant. Et donc là, si je dois démonter un flexible en pression, il y a des précautions à prendre aussi. Avant de démonter, que ce soit un flexible au niveau du bras, du godet,
ou que ce soit inflexible au niveau de la lame, on pose tous les appareils hydrauliques au sol. Donc là, ben, je pose le godet et la lame, pareil, on la pose au sol. Voilà, comme ça, c'est plus en suspension, parce que quand on va relâcher la pression, ben, ça va tomber d'un coup. Donc on ne veut pas encore plus abîmer des choses, et comme ça, on relâche la contrainte. Également, on va actionner les commandes. Moteur éteint, bien sûr, sinon ça va entraîner la pompe hydraulique et continuer d'envoyer de la pression. Donc à l'arrêt, on actionne les commandes pour faire chuter la pression dans tout le circuit. Alors, je ne sais pas s'il faudrait le faire uniquement pour le flexible à remplacer, puisque la pression des autres circuits n'est pas transmise dans celui qui n'est pas actionné. Mais bon, par précaution, n'ayant pas suffisamment de connaissances, il vaut mieux le faire partout. Voilà, comme ça, s'il y avait eu de la pression, elle est libérée. Alors, je vais y aller progressivement. Déjà, il y a ces gaines qu'il va falloir enlever. J'ai l'impression que le plus simple, là j'ai changé de gants, je sais où est la fuite, je sais qu'il n'y a pas de pression, donc je remets des gants comme ça juste pour me protéger les mains, mais du gras, et voilà. Comme il n'y a pas de pression, je risque pas de me faire perforer. Je vais enlever ces gaines à lait de protection, ou en tortillé, je sais pas comment on peut les appeler. J'ai l'impression que le plus simple, c'est de les défaire, faire tourner comme ça, d'en enlever un bout, et ensuite de faire tourner le morceau. Et ça le déroule. Faire tourner le tronçon, quoi. Et aussi, je vais me libérer de la place directe aussi. Je vais enlever ça. Donc là, c'est du 13. Ah, il y a un contre-écrou. Je sais pas si c'est plus simple de partir du distributeur vers le bout du raccord ou l'inverse. Ça, je vous dirai peut-être à la fin si je rencontre des difficultés. Là derrière, j'avais une rondelle et un écrou auto-freiné. Hop, je vais garder tout ça ensemble. Donc là, il faudrait le remplacer, hein, l'écrou nil stop, ou mettre un peu de frein à filet pour pas qu'il se barre avec les vibrations. Ça, je mets de côté pour le moment. Alors, ça me donne un peu plus de marge. Et je vais voir à y aller peut-être tronçon par tronçon. De toute façon, il faut l'enlever. Je pense pas que... Non, j'arriverai pas à l'enfiler. Il n'y a pas assez de marge. Bah, maintenant qu'on a de la marge, je peux le défaire un peu comme ça, tout simplement. Voilà, et j'arrive sur le lieu du méfait. Alors celui d'à côté, il a eu un petit coup dans le caoutchouc, mais il ne fuyait pas. Là, c'est typiquement le genre de truc où on s'amuse pas à voir si ça fuit sans protection oculaire et sans gants, et surtout sans avoir fait chuter la pression, parce que si on l'actionne comme ça et qu'il y a le jet qui part, ben il ira faire mal dans sa trajectoire. Pour ses protections, je pense avoir compris, ça a l'air de bien fonctionner comme ça. Donc je vais continuer de défaire le tout. J'essaye de bien retenir la position des choses, hein, comment elles étaient en place dans les fixations. Lui, c'était celui du dessus dans la fixation. Et j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai pété le flexible le plus long, donc au moins j'ai vraiment de quoi m'amuser. Voilà, bon là ça s'enlève super bien en faisant comme ça. Pour le remettre, ben, je pense que ça va être le même délire. Hein. Ouais. Je progresse tranquillement à l'enlever comme ça. À chaque fois qu'il y a une fixation, je regarde bien à quelle position il était. J'essaie de repérer par rapport aux autres, parce que quand je l'enlève, il y a tout qui part. Par exemple, ces deux-là d'équipement supplémentaire, je sais que c'est ceux du fond. Et puis devant, j'ai ceux pour le godet. Et c'est celui du dessus. Voilà, je suis tout ça. Après, ici, dans le fourreau, ça sera plus large. Il faut que je coupe tous ces colliers pour me donner de la marge. Je regarde aussi bien comment les choses sont en place. Là, j'ai un petit arceau derrière lequel passer le tout. C'est juste toujours intéressant de regarder au démontage ce qu'on fait, enfin au démontage, au désassemblage aussi, ce qu'on fait et comment ça a été fait par le constructeur. Comme ça, on remet les choses de manière optimale. Voilà, tout ça, ça va donner vachement de mou. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà 3 fourreaux et ils sont tous maintenus ensemble. Voilà, ça sera celui-là, celui du milieu. Hop. Et après, je vais pouvoir voir où c'est qu'il va là-dessous. Admettons qu'on ne sache pas, qu'on n'ait pas une notice de la machine, que ce soit une machine d'occasion par exemple, et qu'on ne connaisse pas précisément la position des raccords, et qu'on ne veuille pas y aller un peu à la devinette.
Eh bien, dans ce cas-là, on donne du mou sur tout ce qui va vers le vérin actionné ou l'accessoire actionné, on libère, et après, comme ça, on peut tirer sur le flexing en question et voir s'il vient. S'il vient, c'est que c'est celui qu'on a totalement défait. Et ça évite de défaire le mauvais. Donc moi, normalement, c'est celui-ci, d'après le schéma. Mais je vais quand même faire exactement ce que je viens de vous dire, comme ça, je prends pas de risque. Enfin, c'est pas très risqué, de toute façon, on a normalement libéré la pression, mais ça évite d'avoir un écoulement d'huile supplémentaire. Alors, je pensais aussi à quelque chose qui pourrait peut-être faciliter la vie, c'est de défaire, donc ici, et au fur et à mesure que je démonte, j'installe le neuf. Donc, je le remets dans les protections, je le remets dans les supports, en même temps que j'avance. Ça peut être une option. Pour ça, il faut s'assurer que la partie finale, on arrivera à la passer là où il faut. Donc là, j'ai regardé, je devrais pouvoir facilement la passer dans la gaine, il y a largement de marge, surtout quand j'aurai enlevé l'autre tuyau, donc je pourrais la glisser dans ce fourreau en tissu. Ensuite, le passer derrière. Et normalement, je devrais aussi pouvoir enlever cette tôle, si ça me facilite la vie. Donc là, ça va passer en dessous. Ensuite, je peux enlever cette tôle pour accéder un peu plus là. Et après, ça va remonter là derrière le distributeur. Et je devrais, là, je peux passer mon bras dedans. Et en rentrant le tuyau, je devrais y arriver. C'est peut-être pas mal pour remettre les choses en place en même temps qu'on enlève l'ancien. Ou on peut peut-être le faire en deux temps. Je me disais que le banjo, lui, bah, il va passer facilement là-dedans. Peut-être que ce côté, il va avoir plus de mal, même s'il y a beaucoup de marge. Donc, bah, je retire un peu ça. Je mets déjà cette partie dedans. Je la fais passer dans la gaine. Je la ramène là-bas, puis après, je la remets en place au fur et à mesure. Mais comme ça, elle est déjà passée. Et ça m'évitera de faire passer l'autre morceau. Voilà, en plus, c'est facile à rentrer. Il y a beaucoup de souplesse. Et en même temps, suffisamment de rigidité pour pousser le tout. J'essaye, hein, je suis pas du tout en train de dire que c'est la méthode à faire. Mais bon, voilà, j'essaye différents trucs. Parce que des fois, on peut être embêté pour quelque chose de très basique. Genre d'avoir tout passé, qu'à la fin, en fait, le raccord final était trop large pour passer dans un petit orifice ou je ne sais quoi. Quand on ne connaît pas, vaut mieux prendre un peu ses précautions à l'avance. Voilà. Donc là, il est déjà passé au travers de ce fourreau. Ouais, c'est très facile à faire progresser comme ça. Comme ça, je remets les choses en place dans la foulée. Et ça me paraît bien pour un débutant. Donc là, j'ai passé le 9, je l'ai mis dans le support, dans le guide. Et c'est là où ça peut être intéressant de faire comme je fais, parce que là, j'ai toujours la longueur initiale de celui d'origine. Et ça va me permettre de savoir exactement quelle longueur mettre entre le raccord et la fixation. Parce que sinon, bah, c'est vrai que j'aurais pu un peu hésiter. Donc là, je lui ai laissé du mou, je peux encore le bouger. Je vais défaire le banjo, qui est ici et qui s'enlève avec une nouille de 22. Voilà, on fait bien. Bon, on regarde aussi l'orientation dans laquelle il était. J'enlève la vis. Le raccord cassé. On récupère la rondelle. Je regarde que ce soit propre. Je prends mon raccord neuf. Et je ramène le tout. Voilà, il était comme ça. Il est un petit peu de travers parce que, bah d'ailleurs, je vais même le décaler un peu plus, parce qu'on a un graisseur juste derrière. Donc ça sert à rien de le mettre tout droit, on va être embêté. Là, ça devrait être bon. Je serre fermement, sans exagérer. De toute façon, quand on remettra les circuits en pression et qu'on aura bien purgé le flexible, on regardera. Pas de fuite, pas de sointement, sinon on remettra un petit coup de serrage. Et là, je peux regarder donc celui que j'ai mis en place, l'ancien. On voit les traces de son point de fixation. Il était beaucoup plus court que ça. Il faisait comme ça. Ça peut être orienté plus comme ceci. Ouais, c'est bien, ça me permet de me guider parce que sinon, bah, j'aurais pas suis exactement dans quelle position le remettre. Nous voilà le lendemain, j'ai pas pu terminer hier soir, et tant mieux parce que quand
commencer à faire vraiment trop sombre de toute façon. Donc là, j'ai remis cette partie. Il faut que ce soit quand même bien serré, hein, les spires, qu'on ait quand même une protection. Je regarde comment ils ont mis ça en usine. Effectivement, il faut que ça passe comme un tuyau, quoi. Et ça permet aussi, par exemple là, cette longueur, j'étais plus trop sûr. Et j'ai regardé là, et cette spire, elle était plus élargie. C'était celle qui passait autour de 3 raccords. Donc ça m'a permis de donner un repère, de mettre la bonne marge ici pour quand le vérin rentre et se déploie. Pour pas s'embrouiller, celui-ci, c'est celui qui est à changer. Là, je vais enlever maintenant cette fixation. Oh, c'est bien foutu ces machins, c'est pratique. À mettre en place, c'est vraiment pas difficile. On l'entortille comme ça. Et je crois pas du tout que toutes les machines sont équipées de ce genre de protection. Donc ça aussi, c'est un petit plus, quoi. Faut regarder dans le prix des machines. Tous les petits trucs qu'il peut y avoir comme ça, qui peuvent être un surcoût, mais qui peuvent aussi être une protection, quoi. C'est sûr que ça protège pas contre un gros choc, mais contre tout ce qui est branchage, tout ce qui pourrait venir frotter contre, ça peut dévier pas mal de choses et augmenter la longévité des flexibles. Et comme ce sont des pièces qui ne sont pas données, il vaut mieux les protéger que de les remplacer. Hop, voilà. Bon, c'est cool, c'est cool. Je suis content. Je n'ai plus qu'à continuer gentiment. Juste que je fasse gaffe à pas, à un moment donné, me tromper et remettre l'ancien. Une fois que j'ai démonté, ça serait con. Ça pourrait m'arriver. Il faut être attentif. Et donc là, j'ai plus qu'à le mettre là. Après, j'ai déjà passé le reste. Et on va le passer ensuite dans la carrosserie. Là, il faudra que je regarde où ça va exactement. Bon, voilà, jusque-là, on est bon. Pour remettre cette protection, faut pas hésiter en fait à défaire ça et à le repasser avec de la marge, sinon il faut le faire comme, enfin même pour le démontage, je me suis un peu compliqué la vie, j'aurais dû d'abord défaire ça et apprendre à de la marge. Voilà, petit truc qu'on fait une fois mais pas deux. Maintenant lui, je vais pouvoir le passer au travers. Hop, voilà, même pas d'huile qui a traîné dedans. Pour y voir plus clair là-dedans, donc ça c'est l'ancien. J'ai enlevé les vis qu'il y avait ici et là, j'enlève cette plaque de protection. Voilà. Ah ben ça me donne une belle vue de l'intérieur là. Ah bah oui, ok, la pompe hydraulique, très facilement accessible s'il y avait besoin de la remplacer. Le gros filtre à huile hydraulique, la batterie est juste là. Et donc mon flexible, celui-là, c'est pas ce qu'on voit le mieux. Il passe donc là-dessous, il arrive là-derrière, ici, et si je le bouge là, j'ai vu que ça faisait bien bouger celui que je pensais ici. Ça c'est encore une petite fixation pour tous les flexibles, c'est pas serré, c'est juste pour les maintenir en place, c'est volontairement en biais pour pas mettre de la tension en cisaillement sur les flexibles. J'ai juste défait un petit peu, après je resserrerai un petit peu, c'est juste pour mettre le nouveau. Donc là j'ai bien détecté lequel était le bon, je vais quand même tout de suite glisser le neuf à la place. Donc il faut que je le fasse rentrer là dedans en espérant qu'il sorte assez facilement là-bas au bout, que ça soit un peu guidé tout seul, j'espère. Oui, oui, il y arrive. Il n'y a pas énormément de place. C'est là que je vous disais. Si ça manque de place, ça peut être délicat. Mais ça a l'air d'aller. Voilà. Il est là. Et après, ça monte juste tout droit. Là. Maintenant, je vais enlever celui-là. Et je me rends compte qu'il n'y a pas une tonne de place pour l'outil. Hein. Je vais voir si avec ma pince clé, j'y arrive. Putain. Ouais, là, je suis un peu embêté. Et ça me ferait chier d'enlever celui-là. Enfin, c'est peut-être pas grave du tout, en fait. Bah non, je vais peut-être l'enlever pour me faciliter la vie. De toute façon, j'ai enlevé la pression de tout ce qu'il y avait. Ouais, je vais faire ça. Parce que là, l'accès, il est trop merdique. Ouais, je vais foutre ça en dessous. Je vais remettre mes gros gants au cas où. Mais normalement, il ne devrait pas avoir de pression. Voilà,
non, c'est bon. Aucune pression. Voilà, là j'ai quand même un bien meilleur accès. Il va falloir que je donne encore un peu de marge à cette attache. Mais déjà, je peux tirer sur l'ancien raccord. Est-ce que ça suffit sans l'enlever? Ça m'arrangerait. Enfin, je dis ça, parfois c'est beaucoup plus simple d'enlever les choses. Bref, je vais défaire un côté, ce sera plus simple. Normalement, je vais quand même y arriver à le remettre. Voilà, ouais, c'est pas plus mal. Le petit écrou, pas que je le prends. Ça, ça reste. Ça, ça vire. Ouais, c'est quand même assez convivial là-dedans. Il n'y a pas une tonne de place. Ouais. Juste voir. Non, il n'y a pas de raison qu'il y ait encore des collets là-dedans. Ça serait trop la misère. Ah, pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Hein. Parce qu'il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui. Il passe. Allez, oh. À moins que sinon, bah, tain, sinon je vais tirer le tout, hein, vu que l'autre bout il est plus simple. Là je m'embête, encore une fois, je m'embête. Ouais, je vais tirer celui-là. Oui, ça va beaucoup plus facilement comme ça. Comment s'embêter? Ouais, bon alors, ça montre bien que parfois l'ordre est important. Et j'espère que du coup, je vais pas galérer à le monter, parce que si ça se trouve, c'était pas le bon plan, j'aurais peut-être mieux fait de descendre le banjo par là. On va voir. Mais après, bon, il y a encore aussi cette partie à passer. Donc ça, c'est l'ancien. Celui-là, je le garde bien sûr, parce que il peut tout à fait servir à réparer un autre qui serait cassé, un plus court. Une fois qu'on a réussi à faire monter le bout du flexible, je crois que juste en le poussant, voilà, j'arrive à le choper. Ouais, non, en fait, c'est pas du tout difficile. C'est pas du tout difficile finalement. Ça passe peut-être pas pile dans le même ordre qu'au début. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de tension. Je le vrille un peu pour qu'il s'oriente naturellement dans la bonne direction. Là c'est bon, je prends un peu d'huile, je mets sur le joint, je le repasse, voilà. Tac. Je le mets bien droit et je serre fermement, sans exagérer. Voilà, de toute façon on va contrôler tout ça à la mise en route. Lui pareil, je m'assure qu'il n'y a pas de saleté, je le remets en place. Voilà, faut que je ramène la patte de fixation. On y arrive. Oui, hop, voilà. Je remets l'écrou, j'essaye pas de faire tomber. Attends, là c'est pas évident. Merde. C'était obligé ça. Alors, où es-tu? Allez, c'est parti, la chasse au petit écrou. Ça se passait trop facilement là, il fallait qu'il y ait un petit truc là. Oh, mais non, tu t'es planqué dans les tréfonds de la machine. Où es-tu? Viens, viens petit écrou, viens. Où qu'il est? Oh putain. Ah mais il est là. À l'entrée. Il a fait tout le tour. Allez, ce coup-ci on y arrive. Ça en fait c'est le genre de truc que j'aime pas du tout faire avec des gants. Voilà. Bon, ça c'était pas serré. C'est juste un guide. Faut qu'il soit un peu en biais. Voilà, je le remets comme
il était à l'origine. Voilà, il y avait un tout petit peu de mobilité, mais sans plus. Alors je remets ça en place. Tout ça c'était bien maintenu ensemble. Voilà, bah en là j'ai pas de collier, donc ce que je vais faire, je vais mettre tout simplement du ruban adhésif costaud. Et puis ça ira pour le moment. Je vais remettre ma plaque en place. Je crois pas que j'ai besoin de contrôler, enfin de surveiller quelque chose là-dedans. J'ai pas d'effet de raccord ou quoi que ce soit. Je passe au bon endroit. C'est propre, c'est bien foutu, ça me plaît. C'est bien protégé, bien installé, facile à voir. Je sens que ça va être assez agréable à entretenir cette machine. En tout cas, pas une vraie corvée quoi. Le graissage de tourelle il se fait juste ici, mais ça on en parlera au moment du graissage de la machine. De toute façon ça se fait qu'une fois toutes les 100 heures je crois. C'est pas un truc qui se fait à chaque utilisation comme les autres points de graissage. Bon, pour l'instant, la conception me plaît bien. J'ai déjà réussi à changer un flexible, mais pas des moindres. Certainement pas le plus difficile à changer, je pense. Il y en a peut-être d'autres plus galères, mais pas le plus court. Voilà, tant qu'on y est, jette un œil. Ça, c'est ça. Bon. Voilà, ben va être prêt pour une remise en route. Voilà, c'est terminé. Remontée, toutes les protections mises en place, tous les raccords. J'ai fait un petit peu de tuning là avec de l'adhésif en attendant de racheter des colliers. Pour l'instant ça ira très bien. On va pouvoir démarrer et purger le système. Alors il n'y a pas grand chose à faire à part actionner le godet en l'occurrence. Et ça va se purger tout seul. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir le bouchon de remplissage. Et là le niveau, comme vous pouvez voir, il est au-dessus du max. Dans la notice il est indiqué que la machine est livrée avec le niveau d'huile au-dessus du max. C'est tout à fait normal, c'est le temps qu'elle soit utilisée et que toute l'huile se purge de tous les circuits, donc ça va rebaisser un petit peu. S'il devait y avoir un excédent qui s'écoule du bouchon, ils disent que c'est normal aussi. Donc voilà, juste surveiller que ça n'aille pas trop bas. Allez, c'est parti pour la mise en route. Le godet. Voilà, là il se passe rien. Voilà, il y avait de l'air donc il se passait rien. Le circuit est en train de se remplir d'huile. Voilà, je vais regarder ça. Pas de fuite. Non, pas de fuite. Ben, on est bon, hein.
pas de fuite ici non plus. C'est tout bon. Je vais reculer un chouïa. Voilà, parfait. Bonne chose de faite. Donc, zéro fuite ici. Hein, tout est bon. Aucune fuite ici. On est bon. Premier changement de flexible pour moi. Bonne petite leçon. Ça s'est bien passé. Bon, bah, vous avez vu, même pour un débutant, que c'est faisable. Faut pas oublier une chose. C'est en faisant qu'on fait. Donc, si on prend son temps, on y arrive. J'espère que ça pourra vous aider. N'oubliez surtout pas les protections des yeux, des mains. Là, vous allez dire, oui, tu as tourné dans un garage, tu vas t'asphyxier. Il y a une porte au fond du garage que j'ai ouvert. Donc, voilà, ça circule. Ça sent quasiment même pas les gaz d'échappement. Sinon, effectivement, il faut éviter de tourner dans un local clos. Donc, finalement, rien de compliqué. Je pense juste... Voilà, faire attention comment... Ça paraît tout con, mais il y a des emplacements de fixation qui sont à voir avec des distances de flexibles à respecter entre. Donc si on regarde, ou sinon au moins prendre des photos du bras, démonter, et puis après les avoir à portée de main si on veut regarder ou filmer. Faire des séquences vidéo aussi, ça peut aider. Là, on était sur quand même un flexible long, le plus long qu'il y a sur cette machine. Enfin non, il y a celui du vérin de Godet qui est plus long. Là, on était côté FU. Il fait quoi, 30 cm de plus, mais là, ça aurait été le même boulot. Et puis après, donc essayez si possible de casser un flexible plus court. C'est plus simple et moins cher à remplacer. Ça m'a déjà familiarisé donc avec cette opération. Si je dois la refaire, ben, au moins, j'ai vu à peu près comment ça se passe. Et maintenant, j'ai surtout hâte, c'est de me mettre au travail. Déjà, de m'entraîner un peu, de reprendre. J'ai déjà fait de la pelleteuse il y a quelques années. J'ai plusieurs dizaines d'heures, peut-être même une centaine d'heures facilement. Ouais. Peut-être un peu plus d'une centaine d'heures de pelle mécanique à mon actif sur 1,5 tonne et 2,5 tonnes, donc des petites machines, mais là on est vraiment sur une très petite machine. Et bah, j'adorais ça, j'avais bien pris le coup, donc là il faut juste que je retrouve, que je reprenne mes marques. Ouais, je sens que je vais être bien. J'aime bien cette config, elle est sympa. Vraiment sympa, on est pas dans un petit poste de pilotage. Je préfère, en fait, je préfère que celle où on a les commandes devant là. Là j'aime bien sur le côté. C'est plus confortable pour travailler longtemps. Voilà, ben au moins, ça s'est passé sans encombre. Aucune difficulté. Aussi, un petit conseil, regardez dans quel sens vous voulez faire passer le flexible. Il peut y avoir un sens qui est plus facile que l'autre. Sinon, a priori, rien d'insurmontable. Et on peut toujours défaire ce qu'on a fait. La purge est très simple, ça se fait tout seul. Contrôlez le niveau les fois d'après. Et puis, c'est une affaire qui roule. Back in business, bitches. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je vous souhaite bon changement de flexible si vous avez cette opération à faire. A très bientôt, au revoir. Et encore un grand merci à Monsieur Marcilly de Proto Micro TP pour la rapidité d'envoi et surtout de m'avoir offert le flexible. C'est très gentil de sa part, j'ai rien d'autre à dire parce que voilà, c'est entièrement de ma faute. J'espère que du coup ça pourra aider certains de ses clients à remplacer leur flexible. A bientôt.